tout d'un coup que tu meurs. Milieu naturel. Ah, si, il y a killer. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des Ender Perles, donc sur les Enderman. Ah, il pleut plus, cool. Et le pour l'instant on en a trouvé combien? 6, 7 plus... 7, je 7. Crois. Il nous en faut 12. Plus. Non, on a trouvé 6. Non, 5. 5, il en faut combien? 12. Ouais. Ouais, voilà, il nous en manque 7. Donc quand on aura les 12 perles, on pourra ouvrir la porte de l'End et aller tuer le dragon. Donc là, le plus dur, je pense, actuellement, c'est de trouver les Endermen, tout simplement. Parce que ces bougres d'Endermen se cachent. Mais en tout cas, les biomes de jungle sont vraiment jolis. Hein. Il y a des lianes partout, on peut enfin grimper dessus. Enfin, ça fait un moment, mais... Et puis les arbres ont des gros troncs. Ils montent très haut, enfin, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Hein. Alors normalement, les Endermen, ils pop pas trop dans les endroits où il pleut, si j'ai bien compris, pas trop dans les endroits où il y a des arbres. Donc a priori, le biome de jungle, c'est pas top pour eux. Donc il faut, il faut marcher, quoi, marcher encore et encore. Mais visuellement, ça en jette. Hein. On aurait presque envie de se la faire à la Indiana Jones ou à la Tomb Raider. Alors hop, un petit plouf. Et merde, je suis tombé à côté. Comme dans ces fameuses vidéos des mecs qui font un plongeon et au lieu de se taper dans l'eau, ils vont sur le bord de la piscine. Tintalintin. On a perdu Wawaya et je sais plus. Et moi. Ah oui, il peut toujours se téléporter. Ouais, non, mais il cheat pas. Il s'appelle pas Dastan. Ouais, j'avoue. Petit clin d'œil à Dastan, si tu nous vois, ben voilà. Coucou. Ah, tu vois, Wawaya, il est perdu. Moi je lui dis pareil que d'hab, hein. Va tout droit. Je sais pas dans quelle direction il est orienté, mais ça marche. On peut dire la coordonnée. Je lance un flare. Attends qu'il fasse nuit, regarde s'il y a des signaux de fumée. Sinon faudrait que je monte en haut d'un arbre. Mais ça manque un peu de lianes. Ah, j'ai mes petits ciseaux, tiens, je vais pouvoir couper les lianes. Où je vais aussi prendre les coordonnées parce que je suis aussi perdu. Putain, je suis tombé. Deux secondes, genre, je vais en haut d'un arbre. Moins 430. Mais je comprends pas comment ça marche le truc. Liliane, tu peux pas. Tu peux monter que si elles sont posées contre quelque chose. Ouais, mais tu peux pas t'arrêter. Bien sûr. Non. Shift. Ah, bien vu. Je suis en train d'essayer de monter pour retrouver Hawaïa. Attends, je vais prendre mes ciseaux. Hop, beaucoup plus rapide. Ah, je connaissais pas l'astuce de shift, tiens. J'ai découvert un truc. C'est vrai que c'était chiant de pas pouvoir rester au. J'ai une cuir de la viande. Cuir? Ah. J'ai craché en même temps. ADS, j'étais en visuel. Je mens en visuel. Ok. Ouais. Monstre pilier en cobble. Merde, on peut pas choisir ces objets en même temps qu'on... Qu'on est sur shift, non. Qu'on est sur shift. Puis en plus les trois quarts des lianes tombent à côté. Merde, je peux en avoir assez pour monter. Bon, de toute façon, tu m'as vu. Ou pas. Par contre, j'ai pas intérêt à tomber, moi. Je vais juste déposer un stack de cobble, ça veut pas le faire. Ouais, ils sont pas sûrs. Moi, ça fait un peu kitsch dans la jungle. Kitsch. Ben, tu vois une grosse tour en cobblestone, on sait pourquoi. Mm-hmm. Tâche plutôt. Mais y a pas un bug là, j'arrive pas à récupérer les lianes. Ah, mais je suis con! Je les coupe pas avec mes ciseaux, je les coupe avec. avec mon. Comment ça s'appelle? Mon petit chariot en fer. Minecart. Ouais. Mon chariot. Le gay tout, ça va? Tu. Ça va, j'ai les coordonnées, j'y vais comme je peux. Ah ouais, je vous voyais. Ah zut. Bon bah moi je vous ai perdu au final. J'ai essayé de vous retrouver. Voilà, j'ai réussi à monter tout en haut d'un arbre. Ouais. Voilà. Donc je suis en haut de l'arbre, j'ai perdu tout le monde. Ah si, je vois Hawaïa, je suis en dessous, au-dessus. Bah de toute façon il est pas là. Hawaïa, je suis si toi. Tu lèves la tête, tu Pouk. Verras un monstre pillé en cobble. Ouais, j'ai mangé un petit steak. Et un steak pour la une. Non. Bon! Attends, me perds pas, Waya. Me perds pas.
Ah, je crois que c'est JM que je vois en tout doré. Là. Alors oui, moi je suis brillant, je suis visible. Ça c'est bien ça. Gaito, où es-tu? Voilà un peu ce sur quoi on tombe depuis tout à l'heure en avançant. Hop. Donc on est toujours en train de traverser le biome de jungle et il va bientôt faire nuit. Et on a des petits endroits qui sont magnifiques comme ça, dont une énorme crevasse. Donc là on a vraiment l'impression d'être dans du jeu de plateforme mélangé avec du jeu d'exploration. On a une belle vue derrière la crevasse là, enfin, quand on est en haut. On vire de bord, tout. Droit devant. Donc là on est toujours en train de parcourir la mer. Toujours à la recherche du biome de champipi champignon. Donc c'est Killer qui mène la barque. Il est où Killer? Eh, hey, il était derrière. T'as... Un peu derrière. Un peu loin. Ouais, je vais t'attendre. Ah, c'est bon, je le vois arriver. Donc bon, il y a quelques petits îlots par-ci tentative par-là. De crash. Alors comment tu l'as découvert, tiens Killer? Explique, raconte-nous tout. Hein, raconte-nous. Ben en fait, à la base, j'étais parti chercher des Endermen et puis en accord avec Jordo, Piggy et tout, je m'étais dit que j'aurais plus de chances de tomber sur un biome de champignons que sur des Endermen. Donc t'es parti tout droit sans poser de questions. Ouais. En sachant que depuis on a récupéré tous les yeux d'Enderman, je crois, il en fallait 12. Et donc on a la porte de laine qui est ouverte, donc on fera une prochaine vidéo où on retourne tuer le dragon. Ouais, enfin. On n'a pas mis longtemps quand même pour arriver à la fin de... Enfin, on n'a pas encore fini Minecraft, mais presque. Et voilà. Donc le fameux biome de champignons. Après une traversée à travers les monts et montagnes et biomes de forêt et tout ce que vous voudrez. Hop, le bateau il s'est cassé. Non, ouais, c'est comme d'hab. Nous voilà enfin arrivés au biome de champignons. Alors ouais, ça c'est un truc qui est trop marrant, c'est qu'en fait il y a des champignons qui poussent sur les vaches. Alors comment on fait pour les récupérer, tiens d'ailleurs? Tu peux pas récupérer les champignons. Pas. Alors par tu contre, peux faire marrant, des bols en bois, que... puis après voilà. Tu peux avoir de la soupe de champignons. Directement avec des bols en bois? Ouais, ouais, ouais. Au lieu de recollecter du lait, tu collectes des soupes de champignons. Quoi. Donc d'accord. En gros, c'est bouffe illimitée. Bouffe illimitée, ça a l'air bien ça. Mais tu fais clic droit comme pour les ouais, vaches pour récupérer les vaches, du lait, ouais, c'est ouais. Ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, c'est psychédélique comme truc. C'est carrément psychédélique. C'est l'île du bonheur. Moi, oh, c'est l'île de la bouffe quoi. Salut à tous, les CDS blesses, doit être là-haut. CDS salut. De la SS117 avec tout le monde. Hello. Salut. Top. Salut. Alors, pour information, ça fait depuis 8h30 que le serveur a été reseté, donc ceux qui connaissaient Fortocar, tout ça, bah, sachez qu'on l'a toujours, mais en backup. Et on a réussi déjà à créer une porte vers le Nether, et on a également trouvé un... c'est quoi déjà, une forteresse? Ouais, une forteresse. Ouais, ouais, ouais. On a trouvé une forteresse. Alors celle-ci, c'est une magnifique forteresse en plus, parce qu'on la voit de l'extérieur. D'habitude, on rentre dedans un peu par hasard, et là, on a carrément accès à l'ensemble de la forteresse vue de l'extérieur, donc c'est super grand, c'est beau. Et on est venu chercher quoi, en fait? Des ghasts, c'est ça? Non, blaze. Non, des blaze. Des blaze. Blaze. Eh, voilà. Elle est grande, la killer, t'es où? On va se faire l'expédition. Alors, Jordo, je te vois. On essaie de se regrouper? Ouais, on est ici, là on est pas mal. Ouais, ils sont tous descendus, je t'attendais en fait. On est tous descendus. J'arrive, Death. Bah ouais, t'es à l'intérieur, c'est ça? Et là en fait. Attendez, je crois que c'est par là, il y a une escalier. En fait, on charge des mob spawners pour. Non, non, là y'a rien. Des mob spawners pour Blaze. Voilà, en fait, l'idée c'est de. On a resetté le serveur, alors ça lag, c'est un peu bizarre, il y a des gros chargements. Ah on a décidé de resetter le serveur pour retourner tuer le dragon, donc on a recommencé de zéro. Et on refait tout depuis zéro quoi. Donc petit à petit on va suivre un peu les aventures de la SS117. Ah, non, faut redescendre, j'ai vu un long couloir. Ouais, moi aussi. Bah on te suit en fait, on te laisse passer devant. Elle est vraiment grosse hein. Elle est immense, mais de l'extérieur en plus ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment wow, bien. Oh putain. Oh les lags. C'est quoi ça? Je sais pas, tout droit. Quand tu es tout droit. À droite. Moi je vais tout droit. Vas-y, je t'assieds, c'est pas. Je suis avec Jordan, vous êtes où vous? Le truc que tu vois brûler. Oh sérieux, c'est un vrai labyrinthe. C'est la lave en fait, ouais. C'est parce qu'il y a de la lave au-dessus, pour pas creuser. Par ici, il y a un chemin, je pense. Ah, nous on a trouvé un... Ouais, on a trouvé un spawn. Oula. Moi, je suis pas équipé. Ferme. J'ai de la pierre. Le tuez pas, surtout. Ne le cassez pas. Hein. Bloquez-le, ou... Je sais pas si on peut le bloquer avec des torches, non. Mais le cassez pas. Hein. Ça j'ai pas, un seau d'eau, si jamais. J'ai un seau d'eau. Bon, vous me faites une ouverture, je fonce dans le tas. Pour les tuer, les blazes, plus facilement, faut utiliser des boules de neige. Vous êtes tous les enfants? Bah, moi je suis avec Jordan, mais. Je crois que oh là, je suis paumé. Ah ouais, bon, on va envoyer Gaito. Allez, hein. Pars.
Bon, on bouge. Ah bah non, vas-y, reste là, hein, c'est bon. J'ai trouvé un autre spawner. Jean, c'était quoi les coordonnées de ta maison? J'en ai tué un, ouais. Environ 49-394. Oula. C'est dommage que ce soit aussi sombre. X49, l'autre Z, je crois que c'est. Ouais, ok, merci. Combien GM Ah putain. Gâteau, ah. C'est bon, hein? Ouais, ouais, c'est bon. Et en fait, on est en deux groupes. Attends, j'ai mon stuff qui est plein. Là, on est en deux groupes. Ça sert à rien, ça marche. Non, non, j'ai eu un coup de lag. J'ai le feu au fesse. Eh, on est séparés en deux groupes. Ouais, faut qu'on j'avoue, ils sont là. C'est quoi les coordonnées? C'est quoi les coordonnées, GM? 49 environ 394. Moi j'ai du pain si tu veux. 118. Mais faudrait qu'on se retrouve déjà. Ah oh, putain, je lag trop, c'est horrible. Je pense pas que ça vienne de. Enfin, c'est peut-être le serveur effectivement, mais. Je pense pas que c'est le serveur parce que moi je suis. Sur Terre. Hey, et j'ai aucun lag. C'est la génération de la map. C'est peut-être la génération de la map, ouais, à chaque fois il. Ah putain, il y a un ghast. Oh la vache. Tu vas pas mourir. Genre d'autres auraient dû rester avec moi, t'avais l'arc. Moi j'ai rien du tout pour me battre. J'essaie mais j'arrête pas de tomber parce que tout simplement je lag. En fait t'en es en 3 groupes là. Bah je sais pas. Killer Jean. Ah je te vois. J'ai vu Désir. Tu me vois ouais. Mais ça fait chier, je peux pas rentrer pour aller récupérer ce qui laisse tomber. Oh fait chier. Je te vois te faire bombarder. Je vais essayer de l'attirer. Fume le pendant ce temps. Bonjour monsieur le Pigman, comment allez-vous? Merci, parfait. On a récupéré beaucoup non? Oh putain. Bah j'en ai un pour l'instant. Six-pack, je récupère tout. Ouais s'il te plaît. Ah non, ouais bon. Ça fait la même explosion j'ai pas que plutôt récupérer. Hein. Ah ouais. T'as récupéré beaucoup de blaze ou pas? J'en ai une seule. Et tout. Ouais GG. J'ai une seule blaze rose. Non j'ai pas de la bouffe. J'ai pas de bouffe. Ok donc on y retourne. Je vous suis alors parce que au final je. Merde. J'étais déconnecté. Juste c'est peut-être possible d'avoir un peu plus de stuff. Quelqu'un aurait peut-être une épée. Rien qu'une petite épée au bois. Ok, vas-y, si, retourne au coffre, j'ai laissé une épée. Normalement, je t'ai tout donné en armure. Hein. Ouais, bah moi j'ai reçu que quelqu'un d'autre a reçu. Attends, parce que j'ai reçu casque. Attends, Jean, repars pas, t'as dû prendre l'armure de. De moi. Il est tout non, depuis quoi c'est... Ah, quoi que j'attends. Je tue des blazes. J'ai un truc là qui m'est inutile, c'est quoi ça? D'accord, il y a un. Comment ça s'appelle? Il y a un. Je vais te les passer. Un mob spawner juste là? Pardon. Ouais, il va te reprendre surtout. D'accord. Il va te reprendre. Bon, je te laisse. Et vous êtes où les autres? T'as la tête de citrouille aussi? Ah tiens bon. Oui j'ai une tête de citrouille, bah quoi c'est ça bon va servir? Bah pour tuer le... Si on... En fait je vais t'expliquer. Quand on voit un Enderman faut que tu mettes absolument cette tête de citrouille. Sinon il va disparaître et on va le perdre. D'accord. Donc, dès qu'on entend un Enderman on la met direct. Ça va une épée en bois? Mais je t'ai passé une épée en fer. Vous êtes retourné enfin ouais c'est vrai je l'avais. Vous êtes retourné dans le monde, c'est ça? Le monde humain? Ouais. Attends, je vais juste j'ai pas mal de bois, je pose ça où? On va aller chasser l'Enderman. Alors je balance ça dans le fourre-tout. Je pense pour aller chasser, on va chercher une mine et on va aller dans le noir. Le chercher dans le noir. Non, il faut les chercher à la surface les Enderman. Ouais oui, c'est mieux. Dans les forêts. Je pense dans les forêts ça. T'en as combien là Ghetto? Là-bas dans la forêt en face, là-bas, c'est pas une jungle. Là-bas c'est que des îlots, là-bas on va trouver ouais, une ouais non, là-bas c'est pas une grande forêt, ouais. Bon, là on a d'ailleurs j'étais à un endroit où il y avait une bonne forêt, peut-être qu'on peut en trouver. Là-bas, là j'ai trouvé un juste en face, c'est horrible. C'est horrible, il y a trop de forêt, je m'y perds. Il y a 12 là. Ouais, mais c'est la jungle, il peut pas spawner. Attendez, on va juste traverser la jungle et après il y a une forêt. Oh, mais comme ça, c'est un déclenchement. Ouais, c'est dommage de gaspiller des torches. Oh, tu sais, avec tout ce que j'ai trouvé. Bref. Alors, ouais, bien joué. En fait, vous faites quoi là? Bon, on sort de l'Ender. Ah là là, tous les blocs qu'il a mis. Ah non, d'accord. Ça, c'est celle qui est déjà construite par défaut. C'est pour créer une porte vers l'Enderman. Enfin, vers le Nether, il faut juste voilà, faire un 0.